Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Comprendre l'Empire » de Alain Soral. Et si je me suis intéressé à Alain Soral, c'est parce que ma vidéo « Top 10 des révélations sur Alain Soral » prononcée par Vincent Lapierre pour faire un petit coup de pub à l'ami Zioclo a déclenché de vives réactions. Ça a clairement été ma vidéo qui a déclenché le plus de réactions négatives, et ce, à raison, on va pas se mentir, c'était quand même une vidéo vraiment putaclic. Et il faut aussi reconnaître que Soral, malgré tous ses défauts et tout ce qu'on peut en dire, a eu un impact énorme sur la dissidence en général. Et pour dire les choses clairement, c'est quand même lui qui a ouvert la voie. Voilà pourquoi je tenais à lui rendre hommage ici. Et ce sont d'ailleurs ses admirateurs eux-mêmes qui m'ont conseillé de me pencher sur ce livre en particulier. Bon alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout soralien. Notamment parce que son obsession du complotisme contribue à décrédibiliser tout le camp patriote et parce que son antimythe-isme est tellement poussé qu'il en a fini par devenir une sorte d'islamo-droitard. Mais si on prend un peu de recul et qu'on prend le temps d'analyser toute sa pensée, et comprendre l'Empire est une bonne porte d'entrée pour ça, on est quand même bien obligé de reconnaître qu'il n'a pas tort sur tout, et aussi que certaines de ses analyses sont parfois brillantes et éclairantes, et que certaines ont eu un impact colossal sur la pensée du camp national. Alors ici, je vais vous proposer une synthèse de son livre, et je vais le faire de la manière la plus objective possible. Je ne suis pas là pour donner mon avis sur Alain Soral, ni sur ce livre, mais bien pour en rapporter le contenu. Alors c'est un livre assez court mais très dense et ma vidéo ne vous en donnera qu'un aperçu. Comme d'habitude, je vous encourage à lire le livre par vous-même si la vidéo vous a intéressé. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, laisser un petit commentaire et aussi que vous pouvez me soutenir dans mon travail en me faisant un don sur Tipeee. Vous trouverez tous les liens en description. Soral nous explique que si le livre s'appelle « Comprendre l'Empire », il aurait tout aussi bien pu s'appeler « Sociologie de la domination » ou encore « Sociologie du mensonge ». Et pour nous expliquer cette « sociologie de la domination », il va commencer par expliquer d'un point de vue historique comment cet empire s'est fondé, et il va débuter son récit par la Révolution française, c'est-à-dire au moment où Dieu fut, je cite, politiquement vaincu par la raison. Et puis, la mythologie révolutionnaire va instiller dans l'esprit du peuple sa soumission à un ordre nouveau qui consiste, pour résumer, en une sorte de combat du bien contre le mal. Le progressisme, la lumière contre le mal, l'obscurantisme religieux. Et c'est cette croyance qui permettra de puiser la violence nécessaire à l'anéantissement de l'ancien monde représenté par le roi catholique. Et Soral rappelle que, contrairement à ce que la propagande républicaine aime à nous faire croire, la Révolution française n'a jamais été une révolution pour le peuple par le peuple, et n'a même jamais fait l'unanimité parmi le peuple. En témoigne notamment le massacre des Vendéens. En France, à l'époque de la Révolution, 80% du peuple était formé de paysans plutôt croyants, et donc enclins à respecter l'autorité sacrée du roi. Bref, déjà, la bourgeoisie, entre guillemets, de gauche, déformait la volonté du peuple et ça n'a pas changé depuis. De plus, si la bourgeoisie révolutionnaire a pu parvenir à ses fins, c'est parce que l'aristocratie s'était déjà tuée elle-même. Et plus tard, avec l'édit de Paulette, c'est le pouvoir de l'argent qui va l'emporter sur celui de la grande propriété foncière et sur celui de la fonction militaire. Suite à la Révolution française, la loi Le Chapelier verra le jour. Elle proscrivait les organisations ouvrières et les rassemblements de paysans et ne visait aucunement les patrons, les riches et les puissants. Et en interdisant les grèves, la constitution de syndicats ou les entreprises non lucratives, elle donnait les pleins pouvoirs aux patrons et aux bourgeois. La Révolution française a été une instrumentalisation du peuple par les bourgeois pour obtenir les pleins pouvoirs. Et la Révolution française, c'est aussi, bien évidemment, les droits de l'homme. Mais selon Alain Soral, les droits de l'homme seraient la religion de la bourgeoisie. Une religion qui n'a fait que prendre la place du catholicisme. Catholicisme que Soral considère comme nos anciens droits de l'homme, dans le sens où l'Église servait notamment à atténuer la violence consubstantielle au pouvoir. Soral cite notamment la théorie de la guerre juste de saint Thomas d'Aquin qui explique qu'une guerre est considérée comme juste par l'Église
uniquement si tous les moyens pour l'éviter ont été entrepris, si le résultat qu'on peut attendre sur le plan du bien est meilleur que la situation initiale, si son but est le bien commun et non pas un quelconque but caché, et si cette guerre reste limitée. Et en effet, il n'y a jamais eu de guerre totale sous l'Ancien Régime. Et progressivement, le clergé va se soumettre à l'ordre bourgeois dont le moralisme s'incarne dans la pensée maçonnique. Puis le catholicisme mourra quasi définitivement plus tard avec le Concile de Vatican II dans les années 60. L'Église va faire énormément de concessions qui peuvent d'ailleurs être interprétées comme un aveu de faiblesse, au point de finir par se renier elle-même. Je cite Alain Soral. « Que pouvait faire dans un monde de plus en plus matérialiste et technicien une religion qui n'avait que le ciel pour promesse et l'humilité pour vecteur, quand la nouvelle religion de la fraternité universelle et de l'élection en douce promettait, elle, au nom de la raison même, le paradis sur terre par la démocratie, la liberté et l'égalité ?» Selon Soral, dans les faits, la franc-maçonnerie est en quelque sorte une contre-église dont la religion serait la laïcité. Et, je cite, « Être maçon à partir de la République, c'est être du pouvoir. Un pouvoir qui culminera sous la Troisième République par la loi de 1905, loi dite de séparation de l'Église et de l'État. » Selon Soral, la principale stratégie du pouvoir bourgeois est de diviser le monde en deux camps, à gauche le bien, le progrès, et à droite le mal, la réaction, et de faire en sorte que tout le monde continue de penser que, comme dans un match de foot, il n'y a que deux camps. Mais pour Soral, cette division progressiste-réactionnaire est trop pauvre pour être véritablement représentative de la complexité du monde. Ainsi, il va diviser les progressistes en deux camps. Je cite « Les progressistes de gauche, populaires et sociaux, inspirés par Rousseau et qui espèrent la modernité en attendant l'égalité et la fraternité citoyenne effective par le plus juste partage du travail et des richesses. » Et les progressistes de droite, bourgeois et libéraux, inspirés par Voltaire et qui espèrent la modernité, l'égalité en droit et la liberté d'entreprendre, soit le droit d'exploiter sans entrave, libéré des interdits moraux de l'ancien régime portant sur l'argent, l'égoïsme des uns faisant la prospérité des autres. Et il va également diviser les réactionnaires en deux camps, je cite, ceux qui veulent conserver leurs privilèges d'arrogance et de parasitisme au nom du droit divin, et ceux qui, face à la déferlante libérale et à sa violence sociale, veulent conserver ce qu'il y avait de bon, de mesuré et d'humain dans la tradition. Et derrière cette apparente opposition entre droite et gauche, issue de la Révolution française, se dissimulerait en fait la victoire sournoise de la banque. Et pour nous parler de la banque, Soral va de nouveau nous proposer une analyse historique. Au départ, donc, existait la société du don. C'est en gros la société traditionnelle dans laquelle la religion interdit le prêt pour des raisons spirituelles et morales. Mais à partir du XIIIe siècle, grossièrement, le commerce va beaucoup se développer. L'Église va alors confier le prêt d'argent à, je cite, « une caste maudite maintenue hors de la société par Dieu ». Bon. Si vous connaissez un peu Soral, normalement vous avez compris de qui il parle. Je cite Soral. « Ainsi existera-t-il, pendant quelques siècles, une société double, l'une officielle, prestigieuse et somptuaire, ayant le pouvoir par la noblesse et la terre, mais s'appuyant en douce sur une caste cachée, officieuse et maudite. » À la Renaissance italienne, les papes banquiers vont porter définitivement atteinte à la respectabilité de l'Église et c'est ce qui mènera à la réforme protestante, c'est-à-dire une adaptation des valeurs chrétiennes à la société du commerce et de l'intérêt. C'est le protestantisme tel que le définit Max Weber, à savoir, je cite, « comme éthique du capitalisme naissant où le bourgeois, encore religieux, accumule la richesse et ne s'enrichit pas encore pour lui-même, mais pour la plus grande gloire de Dieu ». Et le protestantisme va donc adapter la théologie à la pratique, contrairement aux papes banquiers qui ont tout simplement bafoué leur religion. Et c'est pour ça que le protestantisme triomphera. Et ce qui donnera naissance à ce que Soral appelle l'Empire, c'est l'alliance de la noblesse et de la banque. À partir de là, le rapport de force entre la banque et le pouvoir va commencer à s'inverser.
La banque va donc s'émanciper de tout pouvoir externe pour devenir un pouvoir politique indépendant et caché. Caché dans le sens où les responsabilités de ses actions, désindustrialisation, délocalisation, chômage, etc., incombent toujours au pouvoir en place et aux responsables politiques et jamais à la banque elle-même. La banque se base donc sur, je cite, l'abstraction du chiffre au détriment de l'être humain, et elle est libérée de tout frein politique et social, en plus de profiter d'une forme d'invisibilité politique et médiatique. Et puis la banque a commencé à prêter de l'argent qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire de l'argent fictif, en partant du principe qu'il était impossible que tous ses clients veuillent retirer leur argent, bien réel celui-là, au même moment. Et voici comment la banque est devenue propriétaire de tout, sans jamais rien produire et avec de l'argent qu'elle n'avait même pas vraiment. Et cet argent qu'elle prête et qu'elle n'a pourtant pas, la banque le prête en plus avec des intérêts. Et bien plus tard, en 1913, est créée la Réserve fédérale américaine, une sorte de banque des banques qui n'est, selon Soral, ni une réserve, ni fédérale, ni même américaine, mais un cartel mondial des 12 plus grandes banques privées. Et Soral va d'ailleurs noter comme conséquence directe de cette réserve fédérale américaine le crédit sans limite accordé pour la Première Guerre mondiale. Je cite « Une prise de pouvoir par la banque régnant désormais librement sur le dollar, responsable entre autres des 5 années que va durer la Première Guerre mondiale, puisque sans cette offre massive de fausse monnaie, remboursable avec intérêt, les belligérants, France, Allemagne, Angleterre, dans l'impossibilité d'emprunter du vrai argent selon le système antérieur, se serait retrouvé, de l'avis de tous les experts, en cessation de paiement et obligé de déposer les armes au moins 2 années plus tôt. De 1920 à 1929, la banque va mettre en place la stratégie de la bulle financière, une stratégie qui entraînera la Grande Dépression. Alors, pour résumer, je cite, « La banque organise la crise et ramasse la mise ». Et selon Soral, les seules résistances sérieuses que rencontre la banque viennent du communisme soviétique et surtout aujourd'hui de la finance islamique qui se chiffre à 700 milliards de dollars et qui surtout est basée sur des principes théologiques et moraux qui la rendent beaucoup plus difficilement corruptible. Avec notamment l'interdiction du prêt à intérêt hors investissement productif et la responsabilité sociale de l'investissement. En fait, l'islam fonctionne sur un mode totalement inverse à celui de Wall Street en interdisant les transactions fondées sur la pure spéculation. Et c'est cette résistance qui expliquerait le combat que mène la banque contre le monde musulman. Et il prend comme exemple la guerre en Irak en 2003 sous prétexte de soi-disant armes de destruction massive. Et l'ironie dans tout ça, c'est que ce monde ultra-capitaliste et libéral a été possible grâce à la Révolution française qui se basait justement sur l'argument du parasitisme de la noblesse. Et aujourd'hui, on retombe sur une situation exactement similaire. Je cite « Un pur parasitisme et un pur privilège auto-octroyé non plus au nom de Dieu, mais de la pseudo-rationalité économique et de la magie des chiffres qui font de cette oligarchie financière et mondiale, de la rente sur le travail humain généralisé, l'exact équivalent de ce que furent les nobles vivant sur le travail agricole des serfs. » Mais à une échelle infiniment plus grande. En clair, la révolution a créé un monde encore plus injuste que celui qu'elle avait combattu au profit unique de la banque qui a d'abord prôné la raison pour détruire le catholicisme et qui tourne progressivement le dos à la raison, aux lumières et à l'humanisme pour pouvoir asseoir toujours davantage sa domination. Soral rappelle que les classes existent depuis que l'homme s'est engagé dans la voie de la spécialisation des tâches. En créant les premières divisions des tâches, il créa les premières divisions sociales. Les laboratores, qui sont les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Les bellatores, qui sont les guerriers, et les oratores, qui travaillent à l'apprentissage et à la transmission du savoir. Dans le monde qui suit la Révolution française, la lutte des classes va devenir le moteur de l'histoire. Une lutte qui résulte de la fin de la solidarité transclasse qui existait sous l'Ancien Régime et du début de, je cite, l'exploitation du prolétariat par une nouvelle bourgeoisie capitaliste entrepreneuriale encore plus dure envers ses salariés que ne l'était la noblesse avec ses paysans. Le prolétariat a donc été créé par la bourgeoisie et c'est ensuite cette même bourgeoisie qui va créer un projet de révolution socialiste pour ce prolétariat.
le prolétariat ayant rarement le bagage intellectuel nécessaire pour employer les termes de Soral. En fait, les révolutions sont toujours mises en place par les intellectuels bourgeois. Soral mentionne par exemple avec ironie l'ouvrage « Histoire et conscience de classe » de George Lukács, un livre extrêmement complexe et dense écrit par un fils de banquier de la grande bourgeoisie ouïve et qui idéalise ce prolétaire qu'il n'a pourtant jamais côtoyé. De même, Joseph Staline lui-même dira à propos du roman de Louis-Ferdinand Céline « Le voyage au bout de la nuit » qu'il est le seul roman prolétarien jamais écrit. Alors qu'encore une fois, Céline était lui aussi un bourgeois. Et ce que cela démontre, c'est que le prolétariat est en fait condamné à être manipulé par la bourgeoisie intellectuelle. Et voici donc comment le peuple subit les délires cosmopolites ou universalistes de la bourgeoisie, alors que le peuple est, comme le rappelle Soral, toujours patriote. Et la seule chose qui soit vraiment compatible avec l'internationalisme, c'est au fond le capitalisme. Mais Soral rappelle tout de même qu'il faut comprendre l'internationalisme ouvrier, non pas comme, je cite, « l'expression d'un antipatriotisme instinctif », mais comme la solidarité des peuples du travail dans un souci d'efficacité politique face aux manipulations du capital apatride. C'est donc une manière de penser l'internationalisme totalement opposé à la vision trotskiste qui haïssait réellement la nation. Et finalement, le combat de la gauche va lentement se réduire à devenir un combat pour le pouvoir d'achat et rien d'autre. Dans les années 1960, la lutte prolétariat-bourgeoisie va finir par devenir une vieille légende à cause de l'extension massive du secteur tertiaire. On se dirige alors de plus en plus vers une société de consommation et on s'éloigne toujours plus de la lutte des classes. À partir des années 1960, on va aussi assister à une féminisation des mentalités et la petite bourgeoisie devient de plus en plus antipopulaire. Et les salariés et ouvriers ont de plus tendance à être traités de beaufs et à être ridiculisés. Et pour citer Soral, les rentiers du haut financent les rentiers du bas. La sous-classe des chômeurs et des précaires vivant des aides sociales sur le dos de la classe moyenne productive la plus ponctionnée par l'État. La démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui est donc issue de la prise de pouvoir de la bourgeoisie sur l'aristocratie. Une prise de pouvoir de l'argent donc. Et l'un des principaux outils pour maintenir le peuple dans l'illusion de la démocratie, malgré, je cite, « une égalité qui ne vient jamais » et une liberté réduite à celle de consommer, c'est de lui faire croire que ce régime est le moins pire qui soit. Et en effet, si le peuple cessait d'y croire, ce serait la révolution. Pour Soral, la démocratie est le pouvoir du marché, donc celui de la banque. Et c'est en grande partie grâce à une propagande permanente que le pouvoir démocratique a pu se maintenir. Parce que si on associe souvent dans l'imaginaire collectif la notion de propagande à des régimes totalitaires, on oublie que le régime qui fait le plus usage de propagande, c'est bien la démocratie. Notamment à partir des années 1980 avec SOS Racisme. Au point où aujourd'hui, l'insoumis, le dissident, se voit systématiquement mis au ban de la société dès que ses idées sont jugées déviantes. Ainsi, les accusations de racisme ou de fascisme font immédiatement de vous un paria, et ce sont surtout des accusations faites dans le but que vous deveniez vraiment raciste ou fasciste. Bref, du délit d'opinion qui se fait passer pour un combat contre le racisme. Et après tout ce travail de lavage de cerveau et d'anéantissement des dissidents, il ne reste plus que, je cite, « les collabos, les soumis et les cons ». Et voici donc ce qui expliquerait en partie la baisse du niveau global et ce même dans les médias. Il faut abrutir les gens pour les abaisser au rang de simples consommateurs. Et c'est surtout la manière utilisée par les chantres de l'Empire pour détruire la raison. Je cite « promu par son prédécesseur des Lumières afin d'annihiler tout esprit de résistance et sa capacité critique ». En fait, les Lumières n'auront été qu'une étape transitoire et la raison est dorénavant ce dont il faut se débarrasser, car elle est un obstacle à la domination du marché. Et le citoyen consommateur est dorénavant totalement soumis à son désir. Et pour détruire définitivement la raison, il faut faire systématiquement appel à l'émotion, jamais à l'intellect. Et être esclave de ses émotions conduit systématiquement à la solitude et à la dépression. Solitude et dépression qui peuvent ensuite être converties par le marché en consommation compulsive. Pour résumer, je cite Alain Soral, « Une destruction de la foi par la raison
puis de la raison par l'argent, qui fait de notre actuelle démocratie de marché et d'opinion le contraire même de la démocratie. Pour Soral, c'est très clair, le clivage gauche-droite n'est ni plus ni moins qu'un mensonge. Alors si on prend la définition de l'ancien régime de la gauche et de la droite, alors la droite représente les valeurs positives d'honneur, de morale, de respect des anciens et de la hiérarchie, et la gauche, au contraire, représenterait la destruction de ces valeurs par le libéralisme qui mènera d'ailleurs à la Révolution française. Il y a ensuite la définition qui nous vient du marxisme, pour qui l'opposition gauche-droite devient l'opposition capital-travail. Est de droite ce qui favorise le capital, et de gauche ce qui favorise le travail. On peut donc considérer qu'il existe une droite des valeurs et une droite économique, de même qu'il existe une gauche des valeurs et une gauche économique. Mais si l'opposition gauche-droite ne fait plus sens, c'est parce que ce qui a conduit à l'hégémonie de l'Empire, c'est bien la gauche amorale additionnée à la droite économique. L'exemple le plus frappant étant bien sûr mai 68, qui représente la grande victoire de la gauche bobo, qui unit donc la gauche sociétale et la droite des affaires. Autrement dit, le libéralisme libertaire. Et pour Soral, il n'y a aucun point commun entre la droite des valeurs et la droite financière. Car, je cite, « l'un se fondant sur un ordre moral et la hiérarchie du monde ancien, l'autre sur l'amoralisme intégral et moderne de la loi du profit, porte ouverte à tous les arrivismes, toutes les décadences et toutes les mobilités sociales. » Et cette fausse opposition entre gauche et droite a pour effet de cacher la réalité de l'alliance croisée entre gauche libertaire et droite financière. En 1981, la gauche sociétale, pour employer le terme de Soral, arrive au pouvoir en France. Va alors commencer une grande stratégie de culpabilisation du peuple français. Les Français doivent se sentir coupables de la collaboration. À partir de là, toute critique à l'égard des WIF ou d'Israël sera perçue comme antimite. Et cette même année, le Parti communiste est remplacé par l'antiracisme à une période où on liquide l'industrie et où le chômage est en augmentation. L'ouvrier n'a même plus le droit de contester l'envahissement de son propre pays par, je cite, « des immigrés désormais sans travail mais élevés dans la haine de la France par le catéchisme anticolonial ». Ainsi, après cet abandon de sa base populaire, l'immigrationnisme, stratégie de dumping social de la droite patronale, devient pour toute la gauche le nouveau progressisme par la magie de l'antiracisme. Et toute critique de l'immigration ou du dumping social passe alors pour une idée d'extrême droite. Le Front National devient à la fois le seul résistant et l'idiot utile de ce nouveau système gouverné par la morale et la gauche sociétale. Et en 1992, la fin de la France est acceptée par son propre peuple lobotomisé via le traité de Maastricht. Plus rien ne peut s'opposer au mondialisme. Et là, on a bien employé le terme de mondialisme. Soral différencie mondialisation de mondialisme. Je cite « La mondialisation est un processus d'échanges matériels et immatériels dû au progrès technique. Le mondialisme, en revanche, est ce projet idéologique, sorte de religion laïque, qui travaille à la mise en place d'un gouvernement mondial et à la dissolution de toutes les nations du globe en une seule humanité. » Ensuite, à une période que Soral situe entre 2002 et 2009, l'antiracisme commence à décliner parce que, je cite, « un passage de la fausse gauche à la vraie droite, antisociale et raciste, motivé non pas par les dégâts infligés par l'idéologie antiraciste sur la cohésion nationale, montée du communautarisme victimaire et anticolonialisme rétroactif, mais par ses effets secondaires sur l'image d'Israël et la montée de l'antisionisme en banlieue. » L'autre grand axe de la culpabilisation de masse, c'est bien sûr la colonisation et la repentance. Je cite Soral. Une colonisation de gauche, laïcarde et républicaine, à laquelle s'opposait d'ailleurs, soit dit en passant, la droite monarchiste et catholique du maréchal Lyautey. Une colonisation française indéfendable parce qu'elle prétendait se faire au nom des valeurs d'égalité et de fraternité issues de la Révolution française. Ainsi, grâce à l'arnaque de l'antiracisme, le français moyen, qui descend la plupart du temps de serre et qui est lui-même colonisé, devient un descendant de colons qui doit expier alors même qu'il n'a jamais bénéficié de l'entreprise coloniale. Ainsi, l'antiracisme factice n'a jamais que des aspects négatifs, puisque le blanc développe de la rancœur à force de se faire constamment insulter, et l'africain voit le blanc comme un éternel colon.
L'antiracisme finit donc par encourager le communautarisme. Et il a beau prôner le modèle assimilationniste, les Français eux-mêmes n'y croient plus en cette assimilation. Et le résultat, c'est un sursaut identitaire des deux côtés qui a de fortes chances de dégénérer en guerre civile. Comme je l'ai déjà mentionné, selon Soral, la dernière civilisation à ne pas être soumise à l'Empire, c'est le monde musulman. Il différencie cependant deux types d'islam. L'islam de résistance, incarné notamment par la République islamique d'Iran, qui adopte une politique anti-impérialiste et anti-sioniste, et qui refuse de tomber dans le conflit de civilisation, et de l'autre côté, un islam présenté comme anti-occidental, qui joue à fond la carte du conflit des civilisations et qui entretiendrait un partenariat pervers avec l'Amérique, avec en tête la monarchie saoudienne. Et selon Soral, le but de cet extrémisme islamique serait de pousser à la confrontation les populations musulmanes et chrétiennes d'Europe. De plus, pour Soral, il faut différencier deux catégories de musulmans en France. Je cite « D'abord les anciens, issus du travail immigré d'avant le regroupement familial qui pratique un islam culturel et discret, vieux travailleurs prolétaires, une vieille génération de musulmans élevés dans la soumission et la crainte du pouvoir, que ce soit celui de l'ancienne France coloniale ou des dictatures décolonisatrices tout aussi reluisantes qui lui ont succédé. Et de l'autre, les fameux « jeunes », qu'il divise également en deux catégories. Je cite « D'un côté, cette nouvelle génération de Français musulmans intégrés, diplômés et entrepreneurs, cherchant dans la théologie islamique les raisons de sortir de la catastrophique posture victimaire imposée par SOS Racisme. De l'autre, cette nouvelle génération de paumés, issus des ghettos de la relégation et d'un déclassement chaque jour aggravé par la crise mondiale, porteurs d'une idéologie délinquante américaine libérale prolongeant désormais dans un salafisme bricolé et superficiel. » Pour Soral, les premiers sont, et il le dit sans aucune ironie, des chances pour la France, et les deuxièmes sont des apatrides. Et surtout, Soral nous dit, je cite encore une fois, de l'issue de ce combat entre ces deux jeunesses, musulmanes patriotes et islamo-racailles, désormais face à face et opposées en tout, y compris en islam, dépend en fait, outre la crise économique, le chaos de la guerre civile ou le redressement et la réconciliation nationale. Pour Soral, nous devons apporter tout notre soutien aux premiers et rompre avec la culture de l'excuse pour les seconds. Je cite Soral et on se quittera là-dessus. Un combat qui ne se joue donc pas entre Français et musulmans, comme voudraient nous le faire croire les agents de l'Empire, mais entre fils de France aimant vraiment la France et ennemis de la France, toutes couleurs et toutes religions confondues. À la semaine prochaine.